Teixeiras, qui était finaliste l'année dernière contre Capriati, qui a fait un remarquable match avant d'être battu par l'américaine. 40-0. Check. Tatiana. Lorsque Mademoiselle Pouchek a mené face à Klichter, c'était sur le Suzanne Lenglen tout à l'heure, le premier match de cette journée sur le Suzanne Lenglen. Michel, on dit toujours les têtes de série ont quelquefois du mal sur les premiers tours et ça n'est plus tellement de mode car les tournois masculins et féminins ne se disputent plus ensemble, sauf les grands chelems bien sûr. Et il y avait les Idylles, le Connors, Chris Evert qui étaient tous les deux bien joués, ça, Vucek, pratiquement dans les deux, trois meilleurs mondes. Et encore en difficulté sur son service, 0-30. On doit suivre ce match bien sûr en Belgique, car il y a Kim, mais il y a aussi Justine Hénin. Et ma foi, à ce moment du match, il vaudrait mieux qu'elle ne commette plus trop de fautes, car je disais tout à l'heure que je pensais qu'elle s'en sortirait, mais rien n'est joué. Certaines de la faute annoncée. Discussion, est-ce que la balle est faute et est-ce que la balle est bonne? Tatiana n'est pas convaincue de cette annonce. Faute malgré tout. Elle est en train d'accuser Klichters de ne pas montrer la bonne marque, ce qui n'est pas quand même très courtois. Je ne pense pas que la Belge... Belle allure hein, de Kim Klichters. Et encore une fois. Mais quelle défense hein. Elle est là. Oula, elle est sur la ligne. Elle est sur la ligne. Le risque. Elle fait le break, égalise à 3 partout. Ça, elle reprend son service. Ouais. Elle joue avec les lignes en ce moment, elle a une chance incroyable. Des 50, regardez, Klichters s'avance après la frappe dans le cours. Ça donne plus de poids à la balle. Ah, très bien joué de la part de Pouchek, Tatiana. Oh, que c'est bien joué. Comme elle se met... arriver sur la balle, l'a pratiquement prise. Il laisse à désirer, mais on le comprend, car Tatiana Pouchek avait la possibilité de se détacher, et là, elle est en train de céder devant l'assistance des attaques de Klichters. Allez. Non, elle y est, oui, mais elle y est. Eh oui, super. Elle a des jambes. Au fond. Quelle belle course. Ouais. 15-40. Ah, c'est... Deux balles de 5 jeux à 3. Oh là, la chance. Eh oui. La première est sauvée. Pas sereine. Quelle est belle. Je ne l'ai pas vu arriver du tout. Alors. Ouais.
Oh là. Elle n'arrive pas à conclure dans ce jeu. Non, le meeting a lieu, mais nous on ne l'entend pas. Son adversaire Pouček, qui doit assez bien masquer ses frappes. C'est à la limite de la double faute. Oui, ça c'est bien fait. Ah, un maximum de chance aussi. Ah oui, elle en a eu besoin. Bien joué. Ah ouais, remarquable défense hein, de la joueuse. Elle est là. Incroyable. Super. Ouais. Joli contre-pied, bien joué. Mais elle est toujours là. Ouf. Elle doit respirer, les spectateurs. Et dans les tribunes, il y a Leighton Hewitt, venu encourager son ami. Bien joué, la part de Kim Clijsters-Lars, un peu plus de... Voilà, quel retour sur un deuxième service assez. Victoire, on commence à gamberger un petit peu. Et elle est bonne. Magnifique, très bien joué de la part de la Belge. 0-43 balles. Heureusement. Et voilà, le point et le jeu. La raison. Il ne faut plus maintenant laisser passer la moindre occasion. Ah oui. Oui, là, elle domine incontestablement dans l'échange. Kim Clijsters. Bien fait. C'est à ce moment-là, lorsque Clijsters veut servir. Là, elle frappe. Là, elle frappe vraiment dans la balle. Elle est toujours là. Pouček. Une défense. Ouais. Formidable défense. Formidable défense de Pouček. Et il faut vraiment donner le maximum pour gagner ce point. Garros pour cette deuxième journée. Ce qui est encore possible, on ne le souhaite pas à Clijsters, mais enfin la défense de Tatiana Pouček est quand même très sympathique à observer. Oh.
Oh là là, c'est distillé ça, Michel. Chance, toujours aussi. Un petit peu de chance d'accélérer. C'est techniquement très limite pour pouvoir avoir d'autres résultats. Alors là, on voit une Kim Disser beaucoup plus attentive. Et voilà, elle a eu sa chance dans ce match, mademoiselle Tatiana Pouchek, mais c'est Kim Clijsters, finaliste l'année dernière, qui s'impose très difficilement. Il a fallu beaucoup de courage, d'énergie pour remporter ce premier tour. Ouf, elle respire, un grand sourire, bienvenue, un petit clin d'œil à son copain.